Donc on se retrouve devant l'appartement de Livana. Donc c'est là qu'elle va évoluer au cours de ses premiers jours, de ses premières semaines, puisque le but c'est quand même d'avoir une maison à elle, hein, on est d'accord. J'ai mis son immeuble dans la nouvelle map San Sequoia juste à côté de ce truc adorable. Je me suis dit que les enfants pourraient jouer avec l'été, voilà, euh, j'aime bien. Et donc notre petite Livana, elle habite tout en bas, voilà, au rez-de-chaussée. Donc voilà son petit appartement, vous l'aurez compris, hop, si je ferme les murs, voilà, ça se résume à ça, c'est assez petit, je vais vous expliquer pourquoi. Et j'ai bloqué toutes les autres parties communes. Pour pas qu'on y aille, hein. vous l'aurez compris, c'est pas un vrai appartement. Dans Sun Sequoia, il n'y en a pas. J'étais assez déçue, donc j'ai décidé de mettre un immeuble moi-même. Donc, avant de visiter l'appart, je vais vous montrer un petit peu ses relations. Là, on a Rachel, qui est son amie. Voilà, elle l'a rencontrée au cours de son année scolaire. et C'est son amie, c'est pas non plus sa meilleure amie, mais c'est son amie. Bon, ça, c'est les gens du comité d'accueil. Euh, ne les calculez pas. Ils nous ont saoulés avec leur cake aux fruits là. J'ai pas voulu prendre du coup, ils nous aiment pas. Bon, c'est pas très grave. Bon, en tout cas, ce sont nos voisines. Là, on a la maman de Livana, qui est Miranda. On s'entend très bien avec elle parce vous l'avez vu. Dans le machinima, elle est venue à notre échographie, etc. Là, on a Bruce. Donc, Bruce qui est le premier petit ami de Livana, et comme vous le voyez, bah il n'était pas du tout prêt à être papa, donc il l'a un petit peu jeté. Mais ils sont encore amoureux, donc euh, on va voir ce qui se passe. Et il faut savoir que Rachel est la sœur de Bruce. Voilà, donc euh, ça va faire un petit peu de drama parce que c'est notre ami, en même temps c'est la sœur euh, de notre mec, enfin, ça va être un peu compliqué. Pour l'appartement, alors là, on a la petite cuisine. J'ai essayé de mettre des meubles euh, du nouveau pack, et franchement, cette haute, euh, elle est incroyable, elle est magnifique. Cette gazinière aussi. Donc voilà, ça fait vraiment une petite cuisine mais c'est suffisant pour le début. Là, on a l'espace du coup salon, salle à manger. J'ai mis la télé ici avec des lingettes qui traînent, des babioles et tout, vous connaissez que j'adore ça. Vous connaissez que j'adore ça, ça ne veut rien dire mais vous, vous m'avez compris. Là, on a le clic clac du coup, enfin le lit euh, canapé, je ne sais pas quoi de Livana parce qu'il n'y avait pas de chambre pour elle. Ici, on a la petite salle de bain, il y a même pas de lavabo genre, il n'y a même pas de lavabo. Mais je me suis dit que le plus important c'est de mettre une baignoire. En plus, elle est trop belle la nouvelle donc euh, voilà. Pour laver les petits babies, c'est mieux. Et là du coup on on a la chambre euh, des futurs bébés. Alors, j'espère qu'on ne va pas rester là très longtemps. Vous voyez qu'on a 500 simflouz et il va falloir bah, écouter qu'on se fasse de l'argent pour euh, acheter une autre maison parce que bah, là on va être un peu à l'étroit quoi. Donc, pourquoi elle s'est retrouvée là Bah, tout simplement parce qu'elle avait envie de prendre son indépendance et de laisser sa maman tranquille. Voilà, alors sa mère elle habite quelque part par là. Ouais, elle habite ici. Miranda elle habite là. Elle a vu que voilà, il y avait un petit appartement en location ici et voilà, au moins elle pourra lui rendre visite. On pourra aller lui rendre visite avec les bébés et tout. Ça pourrait être assez cool. Et je vous rappelle que Livana est enceinte donc elle va bientôt accoucher donc on va avoir un petit bébé de tout sûr dans cet épisode. J'avais pas envie qu'il arrive à la fin, voilà, je voulais vraiment le tester avec vous. Je n'ai encore jamais testé le nouveau pack et la nouvelle mise à jour. Donc écoutez, c'est parti. Ok bon Livana elle a un petit peu faim. Je pense qu'elle va aller se préparer quelque chose. Ou peut-être un repas rapide. Parce que là il est ouais il est 4 heures, c'est l'heure de... de faire le petit goûter. Donc vous voyez, elle a déjà préparé un petit peu l'arrivée du petit bébé, hein. genre là il y a tout. Et pour gagner de l'argent, du coup, j'avais pensé à utiliser ces petits trucs là. Donc donc je pense que je vais acheter peut-être légumes, ouais. Parce que je, je crois que les fruits, ça rapporte pas tant que ça. Hein. Je vais prendre que légumes. Voilà, ça m'a coûté 140. Je vais tous les ouvrir. Hop, voilà. En espérant que ce soit bien de saison. Hein. <laughs> Parce que ça, je me fais toujours avoir. Ah, les épinards, ça se vend bien. Et je crois que les petits pois aussi, mais je suis pas sûre. Je crois que les poivrons, c'est mieux. Bon, bah, je vais en mettre un là au cas où. Voilà. Ok, bah, je vais commencer à aller faire du jardinage avec Livana. Ça va être sa première petite activité. Puis on va voir si Bruce la rappelle, etc. J'ai hâte de voir. Ah, bah, écoutez, elle aime le jardinage, mais c'est parfait. Comme ça, elle pourra se diviser... En le faisant. Ah, ben bah ça commence bien ce challenge. Appel d'un numéro inconnu, qu'est-ce que c'est Eh hey, c'est moi, ton pote Kyle. Alors, euh, je te connais pas. Écoute, je vais venir chez toi, glander quelques jours comme à l'époque. Trop cool, non Attends, quoi Tu ne te souviens pas de moi Ah, t'es trop drôle. Sérieusement, ne change rien. J'espère que tu as euh, du jus de fruits en réserve, ça va être génial. Mais. Mais quoi? Pas aujourd'hui, Kyle te, te trompe de personne. Bah ouais, clairement. Hein. Il est fou ce mec. Moi je connais pas de Kyle, ok? Ah, oh, vous avez vu le petit logo au-dessus? Ça c'est trop bien. Avant on voyait pas ce qu'on faisait. Ou alors on avait des doutes. Là, moi on voit bien qu'elle augmente son truc jardinage. J'ai trop trop hâte de pouvoir jardiner avec euh, les enfants. Parce que maintenant ils peuvent jardiner. Et écoutez, je pense qu'elle va aller dormir. Hein. On va ouvrir le lit et faire dodo. Allez, Livana, elle est au bout de sa vie déjà. <laughs> Ça commence bien. Waouh, trop beau. Allez, va faire dodo. Ah, je vais mettre les éclairages automatiques parce que sinon. Alors là, les factures. Hein. Voilà, nickel. Introvertie, ouais, tu vas voir, tu vas voir après si elle va être toute seule avec tous les bébés. Elle a plus être si introvertie que ça. Manger un repas rapide, à manger de la compote, je pense. Qu'est-ce qu'elle veut Faire la connaissance de Bruce. Euh, bah, tu le connais déjà euh... très bien. Même intimement bien. Tu as même son bébé dans ton ventre. Euh... <laughs> je pense qu'elle l'a oublié. Mais non, de toute façon, tu l'oublies, c'est un conno. Oh, voilà, regarde un peu la télé. Dehors, il pleut. Bah, dites donc. Je vais peut-être appeler euh, sa mère. Je vais peut-être appeler Miranda pour qu'elle vienne faire un petit tour. Ah, mais il est 6h. Il est beaucoup trop tôt. On va attendre qu'il soit moins 8h. Là, pour le moment, elle est mais royale. Hein. Franchement, elle va bien. Tout se passe bien. C'est fluide et tout. Ah, euh, vous allez voir quand il y aura les bébés. De toute façon, vous l'avez bien vu dans mon premier sans bébé que je galérais. Hein, euh... <laughs> non, mais pourquoi tu te mets dans ton hall d'entrée en pyjama pour lire un livre asseyez toi voilà, non, c'est peut-être mieux d'être chez toi. <laughs> bon, c'est pas comme si t'étais toute seule dans l'appartement, enfin dans l'immeuble, mais bon, ça, il faut pas le dire, hein. Ça fait moins réaliste, du coup. Ah oui, il y a ses cours. Attendez, il faut que j'enlève ça. Hein. Faut pas qu'elle aille en cours, hein. parce que y a des gens qui m'ont dit qu'on pouvait démissionner de l'école, mais c'est faux. On peut pas démissionner de l'école. Bon, je vais appeler euh, sa maman. Oh, planifier un séjour temporaire. <laughs> Oh my god, une nuit. Oh mais non mais c'est trop bien. Mais attendez, elle peut venir une nuit. Oh bah ben, venez on fait ça. Hein. Comme ça elle accouche en même temps que sa maman est là mais c'est génial. Oh oui, regardez sa maman elle arrive avec sa valise. Oh, c'est trop mignon. Oh non mais alors là je hurle de joie. C'est trop bien. Regardez Miranda elle vient pour assister sa fille à son accouchement. Non mais c'est trop mignon. Oh non j'adore les gars, elle est trop chou. Accueillir Miranda, allez va accueillir ta mère, c'est parti. Oh trop bien trop mignon. Proposer de toucher le bébé, regardez-moi ça comme c'est cute. Oh là là qu'est-ce que c'est cute. Oh j'adore le, le début de ce sang bébé là. Oh, trop adorable, trop trop chou. On va s'asseoir et discuter ici. De toute façon je pense qu'elle va accoucher euh, aujourd'hui. Hein. Et je vais lui donner les clés de la résidence. Qu'est-ce que vous en dites ou pas? Hum, je sais pas. Si j'ai quand même envie de lui donner les clés comme ça, elle pourra venir nous aider, etc. Elles sont quand même très proches. Hein. J'avais pas envie de faire une ado trop rebelle en mode ah non les parents ah. voilà donc euh, j'avais envie qu quand même qu'elle soit proche donc là je suis trop contente de ce que ça rend pour le moment. Bon écoutez voilà, elles papotent ensemble. Je pense que Livana elle va préparer à manger ensuite pour sa maman. Et puis cette nuit, de toute façon, je pense qu'on va la faire accoucher. Hein, on va la faire accoucher de son premier bébé parce que j'ai trop hâte de jouer avec euh, la nouvelle tranche d'âge. Il part aussi que les bébés, jean coinès il ils ont une tête différente et tout le monde s'en plaint sur Twitter. Alors moi, euh, de ce que j'ai vu sur les photos, ça ne me dérange pas. Je trouve ça plutôt réaliste. Donc euh, écoutez, on va voir ce que j'en pense en jeu parce que encore une fois je n'ai je pas encore testé <laughs> si on prenait une photo avec la maman ça pourrait être cool hein. il faut qu'on prenne des photos les gars pour ce sans-baby. sinon après euh, on va tout oublier oh c'est adorable j'aime trop je vais en prendre plusieurs parce que des fois hop elles sont ratées alors voyons est-ce qu'elles sont de bonne qualité ouais bah écoutez elles sont toutes de bonne qualité incroyable je crois que tu as trouvé ta vocation euh, <laughs> l'ivana hop je vais faire comme ça et je vais la grandir en mode construction voilà comme ça puis on mettra d'autres photos au fur et à mesure sur ce mur pourquoi pas hein. ajouter un cadre faire un cadre noir voilà trop bien bon elle regarde toutes les deux la télé allez c'est parti je vais servir le brunch toast avec des œufs voilà qu'est-ce qu'elle a elle râle à cause du foot ou quoi qu'est-ce que tu regardes ah euh, non c'est un truc de sport ouais ok elle aime bien le sport regardez là cette petite Livana là, en train de faire à manger pour sa mère on compte sur toi Livana parce que toutes les autres mariages de mon premier son baby elles avaient toute euh, la compétence cuisine au max ok elle faisait des plats laisse tomber bah c'est plutôt bien parti qu'est-ce que vous en pensez bon ça a l'air un peu raplapla mais ça se mange je pense hein. ok bah trop trop cool. Appelez à table. Allez Miranda, on va manger ce qu'a préparé ta fille. Bah voilà, nickel. Hein. Oh, demandez à Miranda de donner un coup de main. Bah écoute, ouais. Comme ça au moins elle va nous aider pour le ménage et tout. Bah, après elle reste qu'une nuit, hein, ça en va demain. Hein. On aurait peut-être pu la laisser deux jours. Hein, C'est vrai. Bon, on la fera revenir au besoin. Hein. Oh regardez, elle vide de la poubelle. Oh là là. Mais quelle reine. Franchement, Trop gentille. Alors, je sais pas si c'est un bug, mais regardez, quand j'appuie sur le berceau, je peux avoir un bébé alors qu'elle est même pas en train d'accoucher. C'est trop bizarre. Après, je sais qu'elle est au troisième trimestre, mais genre là, j'ai aucun mot de lettre qui me dit qu'elle est en train d'accoucher. C'est chelou. Bon, écoutez, euh, on va avoir un bébé ici, maintenant. Ok, ça commence. Le premier baby va naître. Oh là là, j'ai hâte. Ok, bah, elle est en train d'accoucher. Ok, let's go. Miranda, viens l'aider. Oh non, mais c'est adorable. C'est trop mignon. C'est une fille. Oh là là, je pouvais pas être plus heureuse. Ok. Okay, ok, je voulais être une petite fille. Ok, je vais aller voir vos premières idées de prénoms que vous m'avez donné dans le live où j'ai créé justement Livana. Et n'hésitez pas à me donner en commentaire toutes vos idées de prénoms hein, parce que, bah écoutez, c'est là que je les pioche et après je les donne à mes bébés tout simplement. Donc là, le premier prénom que je vois c'est original, c'est Mareva. Mareva, je connaissais pas du tout. Mareva, comme ça. Ok. Peut-être qu'il y a un autre bébé Non Ok, Waouh. On commence très très bien hein, avec un bébé. Oh, adorable Regardez Miranda Oh non, j'adore C'est trop mignon Alors, voyons la tête du bébé du coup, bah écoutez euh, moi ça me choque pas plus que ça, genre un bébé quand il sort il est pas tout euh, non il a une tête un peu chelou, bon bah là c'est cool moi je trouve c'est réaliste, euh, moi ça me déplaît pas, oh Miranda elle est là et regarde sa petite fille, sa première petite fille, hein, première d'une très très longue série hein. ok donc Mareva, première petite fille, bah c'est incroyable, je suis trop contente, je vais aller peut-être m'occuper de mes plantes ou peut-être qu'il y a pas besoin qu'on s'occupe d'elle voyons, faire des recherches, gna 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 ok il y a pas besoin de les arroser ici c'est quoi Non plus, en disant qu'il Miranda elle est timide, genre elle ose pas aller voir le bébé <laughs> regardez là, elle veut pas y aller regardez elle reste à distance, c'est trop bizarre mais vas-y, oh on peut embrasser les bébés sur le front, oh trop chou, d'ailleurs j'avais vu un truc hyper creepy sur ça, alors je sais pas si c'est vrai c'est une capture d'écran que j'ai vue sur Twitter, apparemment avant cette mise à jour, il y avait qu'un seul type de sims qui pouvait faire des bisous sur le front au bébé, c'était les sims euh, avec la carrière politicien, Pour m'expliquer le délire, <laughs> mais j'ai vu ça sur Twitter alors si vous avez des infos, genre trop bizarre pourquoi ils avaient fait ça, ah, elle est collée à son Petit baby. Hein. Elle ne le lâche pas. Hein. Après, par contre, faut pas oublier que on a besoin d'argent. Hein. J'ai hâte que ça pousse et qu'on puisse récolter parce que là, vraiment, on n'a pas trop d'argent. On a un bébé euh, bah, qui est là. Donc, c'est assez complexe, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça Nouvelle dynamique familiale facétieuse. Livana et Miranda ne peuvent pas s'empêcher de se faire rire. L'ambiance est toujours drôle quand ces deux sims sont dans la même pièce. Les membres d'une famille ayant la dynamique familiale facétieuse choisissent d'effectuer des interactions drôles ou malicieuses ensemble plus souvent. Décririez-vous la dynamique familiale entre Livana et Miranda? comme étant facétieuse bah pourquoi pas hein ça pourrait être rigolo cette relation entre entre mère et fille ah elle va s'occuper de ses plantes faire des recherches oui bon si tu veux hein je ne suis pas contre ah le bébé pleure qu'est-ce qui se passe ah mais ils ont un nouveau pleure voyons oh non Miranda s'occupe du oh non non, mais là, là, là c'est un bug, par contre, non. Attends, on va la réinitialiser. Voilà. Bon, je vais aller le nourrir parce que c'est vrai qu'on l'a pas nourri depuis le départ. Ça va mieux comme ça. Bah, elle est où Miranda Elle est partie où Ah, oh, elle est ici. Tu vas à la piscine, Miranda Par ce temps La réponse est oui. Ok, bah, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise On est en été après tout. Hein, si elle veut se faire plaisir, écoutez, je crois qu'elle a pas de piscine chez elle. Ouais, non, elle a pas de piscine. Donc, euh, écoute, on va, la... on, va la laisser. on va la laisser. Ah, bah, voilà. Ça va mieux, petit baby. Ah, bah, il fait dodo. Bon, bah, voilà. Bah, nickel. Ivana, je pense qu'elle elle va servir le dîner. On va faire pourquoi pas. Ah non, 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 non. Je vais ouvrir et je vais resservir ça. Hein. Faut qu'on le finisse de toute façon. Hop, et je vais appeler à table. Ah, mais les biberons maintenant, ils sont comme ça. Faut les jeter. Ah, oh, mais c'est arrange j'adore. Mais bah, qu'est-ce qu'elle a, Miranda Elle est vénère. L'eau était froide. Ok, ça, ce sera pour demain matin. Je vais aller aux toilettes maintenant. Non, Miranda, tu revas à la piscine. Non, me dis pas que tu vas dormir là. Tu peux dormir avec ta fille, c'est bon. Mais où est-ce qu'elle va, la Miranda, là Mais qu'est-ce qu'elle fait Elle visite l'immeuble, ok Elle regarde dehors. Tel un Sims désespéré. Ok. bon bah le bébé en bas il va pas bien de toute façon je vais devoir aller le voir. Ah non attendez, j'entends Miranda. Ah voilà, elle est venue l'aider. Oh, c'est déjà l'anniversaire de Mareva? Purée. Il reste pas longtemps euh, tout nouveau-né en fait. Mais Elle avait faim en plus, hein. Mais c'est bizarre parce que Miranda, elle a pas dormi de la nuit. Elle reste ici, regardez. Oula Oula, là il là, y a eu la foudre là. Elle va être de mauvais poil hein, le lendemain matin, moi je vous le dis. hein. Non mais regardez là la Miranda, elle est vénère parce qu'elle a pas dormi de la nuit. <laughs> mais en même temps, hein. Euh... Oh mais pourquoi elle y a sa valise ici? On va la mettre là. Hein. pensais qu'elle va la reprendre quand elle va partir. J'ai des doutes. hein. Euh, lui, qui prend un bain. Non mais ça va, on ne dérange pas. Hein. Ah si, regardez, elle repart. Elle repart Mais c'est trop chou Et voilà, elle repart à sa petite maison. Non mais alors là, qu'est-ce que c'est pas adorable ça. Ah, ça je vais le faire souvent à mon avis. Hein. Bon, là je vois que je vais pouvoir récolter des petites choses. Hein. Tout vendre, ouais, bah c'est pas fameux. Tout vendre, ouais, c'est poivrons. Ok, les poivrons ça rapporte beaucoup, beaucoup. Ah, j'ai entendu que Maréva elle pleure mais... <laughs> attends un peu Cocotier, attends un peu. Hein. Ah oui, elle pue, elle pue, elle poque du derche. Ah, Miranda qui nous appelle pour discuter mais tu viens de partir de chez nous. Bon, on va dire ok. C'est un peu une mère envahissante, hein, au final. Bon, les gars, je ne tiens plus. On va changer d'âge le bébé. <laughs> J'ai trop envie de voir ce que ça donne, les nourrissons. C'est parti. Ah oui, et je le rappelle bien, moi, dans mes 100 baby challenge, je ne suis aucune règle. Je fais comme je veux. La seule règle, c'est d'avoir 100 bébés à la fin, ok. Bon, après, je vais pas m'amuser à les grandir, à les changer d'âge hyper rapidement. C'est juste que là, je suis hyper, hyper excitée. Je pense que vous aussi. Ok, c'est parti. Ah, ça nous donne un tapis. <laughs> le tapis est livré avec, ok. Ok, oula. Bah, il fait la cabriole. Hein. Alors, voyons. Ah. Oh Trop drôle Sensible, calme, prudente, intense, remuante, solaire. Ok, bah trait de caractère aléatoire, je ne regarde pas, c'est parti Solaire, Ah oh, bah nickel Oh non Oh non, il va sur le petit nuage Étape sourire débloquée Mareva a souri pour la première fois Mais quoi Mais elle vient elle vient de grandir Bon, je pense que je vais la changer dans le mode CUS par contre. Ok, oh trop beau Alors attendez, en coiffure... Oh, je vais mettre ça, c'est trop chou En tout cas, elle a les cheveux noirs comme sa mère, hein. Ah non mais trop star Je pense que je vais mettre un petit truc comme ça. Ouais. Des petites baskets comme ça. Oh là là. Tenue habillée, qu'est-ce qu'on a Oh Non mais je fond c'est beaucoup trop chou. Tenue de sommeil, on peut lui mettre une petite, euh, un petit truc comme ça. Oh j'adore. Ça c'est quoi, tenue de fête Tenue de fête, Écoute, on va lui mettre une jupe. Eh, hey, où est-ce que tu vas Elle fait beaucoup de cabrioles hein. Alors, mais pourquoi ils ont pas mis ça plus tôt quoi C'est beaucoup trop chou. Ah ça c'est tenue de temps chaud. Alors, alors là je lui mets ça. C'est trop mignon. Et tenue de temps froid, bah écoutez, on va lui mettre ça. Hein. Voilà. Oh là là, c'est pas trop mignon, sérieux. Alors qu'est-ce que je peux faire Ah attendez, c'est quoi ça Oh j'adore Ça veut dire qu'attendez, Attendez, 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 quoi Oui je vais clamser. Je vais clamser! Non, c'est trop chou. Non, mais attendez, je meurs d'amour, là. En fait. Oh! Mais aime trop, je vais pleurer. Oh! Qu'est-ce qu'on a vu, là? Attendez, attendez. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il venait chez nous? Il venait chez nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut voir sa fille? Oui, regardez, il a, il a toqué chez nous. Bon, bon, présenter à Mareva. Oh, c'est trop mignon. On va lui présenter, mais bon, prudemment. Oh non! Oh non! J'adore! Qu'est-ce qui se passe? C'est Euh, non, non, mais... Oh, tu me la rends, maintenant Tu me la rends C'est my baby, ok Mareva a enfin rencontré quelqu'un qui ne fait pas partie de son foyer. Oui, bah... Hein non, non, bah, on lui laisse pas le gosse, hein, ça va pas Ah, t'as envie d'aller aux toilettes Bon, vas-y. On va la mettre là-dedans. Euh, J'ai pas envie qu'il la garde dans ses bras. Il est un peu méchant, on n'oublie pas. Euh, voilà, on va la mettre ici, comme ça, va pouvoir jouer. Et moi, je vais discuter avec lui, voir ce qu'il veut. Peut-être qu'il a changé, mais en tout cas, bon... Nous on n'en veut plus hein. Puisque bon je vous raconte un peu, mais à cause de ça, du coup, euh, bah écoutez, Livana, elle va enchaîner les relations. Et euh, bah écoutez, elle va, elle va enchaîner les bébés. Voilà, tout simplement. C'est pas très original pour un son bébé, mais j'ai rien trouvé d'autre. Oh là là, qu'est-ce que tu fabriques toi Qu'est-ce que tu fais Ah, il vit de la poubelle. Oh, ok. Il veut s'investir, hein, mais nous on veut plus de toi en fait. Hein. Ah, on peut choisir son, son porte dorsale là. Bah, je vais le prendre rouge, hein, comme euh, la tenue de... De Livana Qu'est-ce que t'as Qu'est-ce que t'as Elle a pas de divertissement, mais pourquoi Et puis elle est effrayée par les orages Ah non, d'accord, divertissement, il y en a pas. Ok, ok. Qu'est-ce qu'elle a, la pauvre Faire passer un moment sur le ventre. Venez, on fait ça. Ouh là là, ah oui, il y a les orages. Ouh là là, elle a peur. Oh, qu'est-ce qu'elle a Elle a peur Oh non n'aie pas peur Non mais il fait trop orageux là. C'est quoi cette météo de crotte de bique Ah oh, non mais c'est trop adorable par contre. Météo de crotte de bique ou pas, c'est trop chou. Hein. C'est beaucoup trop mignon. Ah elle a la couche sale. Oh, on va pouvoir utiliser ça. Changer la couche de Mariva. Oh oui. C'est adorable, j'adore, j'adore. Ce son baby challenge me rend, me rend joie. Bon là il y a qu'un seul bébé. On verra quand il y en aura plusieurs. Oh, trop chou! Chaque nourrisson est différent. Il y a trois spécificités de nourrisson que vous découvrirez au fil du temps. Ok. Et elle, sa première spécificité, c'est qu'elle a un bon appétit. Et elle adore manger. Ok, bah comme moi, c'est nickel. Oh, il y a Miranda qui est là! Présenter à Mareva. Oh oui, 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 oui. Oh oui, elle va lui présenter. Non, ça, ça Adora par contre. Oh, une autre spécificité: dormeuse câline. Ok. Oh, regardez! Je suis obligée de prendre une photo là, c'est trop mignon. Regardez la mamie et sa petite fille. Bon, on va continuer à manger, Livana. Et du coup, dormir Scaline, c'est quoi? Oh non, c'est horrible! Ils pleurent lorsqu'on les pose pour qu'ils dorment, même si quelqu'un les apaise. Ils préfèrent dormir en étant portés dans les bras ou dans un porte-bébé. Oh non! Ok, bon, bah écoutez. Euh... C'est sa spécificité, hein Ah d'accord. Elle lui fait faire une petite sieste pour qu'elle dorme. Oh Mais Bruce qui vient encore. Mais qu'est-ce qu'il a à venir tout le temps, lui On est occupé, Bruce là. Hein. Puis aussi tard en plus, qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là Il oh, y a Miranda qui a Miranda a Bruce, l'a viré. Miranda l'a viré, Bruce. Regardez-la. Elle a raison. Elle a raison de ouf. Il court. Regardez-le. Il s'en va. Ah, c'est vraiment une maman poule Miranda. Elle a vraiment protégé Livana là. Regardez comme elle est vénère de brousse, Elle est pas contente. Est-ce qu'elle va faire dodo du coup ou est-ce qu'elle va pleurer Ouais, voilà, j'en étais sûre. Calmer pour endormir, voyons. Est-ce que ça va marcher parce y a eu marqué que ça marchait pas ça. Hein. Oh non, 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 tais-toi. <laughs> Comment je peux faire Ah non, c'est bon, elle va bien, elle pleure plus. C'est bon Je crois que c'est bon. Hein. OK, elle va aller faire dodo. J'espère que Mariva va dormir. Ouais, c'est bon, elle dort. Oh Trop trop bien. Miranda, elle est partie. Ouais, elle est partie. Oh, elle a laissé une assiette ici. Bon, faudra que je la nettoie. Ah, elle a faim. Ok. Calme-toi, 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 euh, petit baby. Nourrir au biberon, c'est bon, j'arrive, j'arrive. Oh, quand on aura plusieurs nourrissons, ça va être insupportable. Hein. Faut qu'on essaie de pas avoir plus de trois nourrissons en même temps, quoi. Voilà, le petit bib. Et voilà, ça arrive. Voilà, maintenant tu fais dodo, d'accord Non, non, pleure pas, pleure pas. <laughs> Embrassez, on va l'embrasser. Peut-être ça va la calmer, non Ah, c'est bon, elle va bien. Ok, laisse-la et va dormir. <laughs> ah, non, elle pleure bon écoutez ça va lui forger le caractère hein. <laughs> c'est bon vous voyez ça endormi ah, je vous l'avais dit. Oups, on va aller la changer parce que là, apparemment, c'est une catastrophe. Étape première grosse fuite débloquée. Cela devait finir par arriver, mais Mareva a eu sa première grosse fuite. <laughs> Pourvu que la couche tienne bon la prochaine fois. Oh non. Allez, on va aller changer ça. C'est une catastrophe. J'ai même une catastrophe pour le coup. Allez, Mareva, tu schmoutes. Voilà. Je pense que, ouais, faut aller lui faire prendre un bain. Là. Donner un bain de mousse, à mon avis, faut bien, faut bien de l'écrassage là. Oh là là, qu'est-ce que c'est chou. Regardez-moi ça. Oh, ah, elle a l'air de bien aimer, regardez. Elle aime bien l'eau, Mareva. Elle a encore faim mais elle a que faim cette gosse, elle a tout le temps faim hein. Pourquoi mon enfant a de la mousse sur la tête Non mais je suis pas d'accord C'est quoi ça les gars Non mais là, là je suis désespérée, hein. je vais peut-être la réinitialiser Ouais voilà c'est mieux, je vais m'acheter un petit aspirateur Voilà c'est déjà plus propre, je vais fermer le lit ici Ah ben, bah, Mariva écoutez elle tape une petite sieste, euh, elle va faire du zapping euh, Livana pendant ce Oh non elle a pas pu dormir à cause de la télé je suis trop con <laughs> ça l'a réveillée Ah, je vais aller vendre ce que j'ai là-bas aussi. Bon, pendant qu'elle dort, euh, on va aller se prendre une douche et manger un petit truc. Genre des petits pois. <laughs> et je vais appeler pourquoi pas Rachel pour voir euh, si elle veut venir euh, rencontrer Mariva. Ah, elle va arriver. Bah nickel euh, Pourquoi tu traites mon enfant de crotte, là Non mais qu'est-ce qu'elle... Mais elle est folle, elle, elle est folle Ah, on va lui présenter notre petit baby. Regardez comme c'est trop chou <laughs> Trop mignon Ah mais elle en connaît comme ça du monde, Mariva hein. Franchement, c'est pas une enfant solitaire, hein. Regardez, c'est pas... Oh là là, j'aime trop, j'aime trop. Ah, Mariva, elle va avoir faim encore. Purée, elle a tout le temps faim. Ah, mais du coup, regardez, un biberon, ça lui suffit pas à Mariva. C'est pour ça qu'elle a tout le temps faim. Comme elle a un très bon appétit. Euh, un bibi, ça lui va pas, bon Rachel s'en va, mais bah, c'était bien sympa, comme ça on lui a fait rencontrer notre, euh, notre petite Mariva mais non mais elle la met pas dans le berceau, elle veut pas aller dans le berceau elle veut juste être nourrie, voilà on va la nourrir parce que regardez comme elle a faim la pauvre ah non là elle a assez, elle a assez mangé ok, puis là on peut la mettre au lit, ok on lui a raconté une histoire, normalement c'est bon on va regarder un petit peu la télé, étape gazouiller débloqué, oh, elle arrive un petit peu à gazouiller du coup, c'est adorable oh là là par contre elle arrive bien à pleurer, oui je vais essayer d'aller la calmer, oh non pilon et s'endort, elle est sale, je vais elle va se réveiller en pleine nuit, je pense. Ok, nouvelle journée. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il va falloir trouver un nouveau papa. Mais là, la mission, c'est vraiment de la changer. Hein, parce qu'elle poque du derche Et cette fois, on va pas faire un bain de mousse. Parce que bon, on se souvient de la mousse qui lui restait sur la tête. Hein. Premier bain débloqué, mais absolument pas. C'est pas son premier bain. Hein. Et ensuite, j'aimerais bien la mettre dans le porte-bébé. Et euh, qu'elle vienne avec nous faire du jardinage. Alors, je sais pas si c'est possible. J'en sais rien du tout. Bah ouais, je crois bien. Hein. Regardez là, oui, on peut faire du jardin avec les baby, oh non, c'est trop cool. Alors ça, c'est génial, par contre. Hein. Regardez-moi ça, on fait du jardin avec le bébé, mais trop bien. On peut même désherber, hein. Regardez-moi ça. C'est trop cool Non, là c'est trop, j'aime trop. Non, remets-la dans le bébé porte dorsale, là où je sais pas trop quoi. Ok. Bon, maintenant la mission c'est de trouver un autre papa. Euh, bonjour toi, ça va Bah c'est parti. Par contre, draguer avec un bébé dans le dos, faut le faire, moi je vous le dis. Hein. Salut, comment vas-tu Ah, regardez, il rigole bien. Ah, on a le bon mood, on a le bon mood avec lui. Complimenter l'apparence, c'est parti. Ah non maman, là on n'a pas le temps de discuter, ok On est en pleine drague. <laughs> Ceci Sim irrésistible, Ivana a un énorme coup de cœur pour Sydney. Ah ouais ça alors, j'avais jamais eu ça. Hein. Ok, il est enjôleur comme nous. Mais il nous aime trop les gars. Il nous aime trop. Mais alors lui, c'était in the pocket en fait. Ok, bon, on va rentrer avec Mariva parce que je crois que Mariva va pas bien du tout. Oh, Rachel veut devenir notre meilleure amie. Bah ouais, nickel. C'était ce qui était prévu au final. Hein. <laughs> mais comment t'es rentrée chez moi T'es étrange toi. Encore, elle dit que mon enfant c'est un caca. Mais, mais t'es sérieuse Mon enfant c'est pas un caca. Quelle crotte de bique. Ok, là faut vraiment qu'elle s'occupe d'elle par contre, euh, Livana, parce qu'elle est vraiment au bout de sa vie. Euh, elle va aller manger en regardant la télé. Ensuite, elle ira aux toilettes. Rachel, occupe-toi du baby. Ah, mais elle, elle, elle a fait dans sa couche. Elle a fait dans sa couche, ok. C'est assez compliqué, les nourrissons, à s'occuper, les gars. Quand on va en avoir plusieurs, vous allez voir, ça va être un peu cocasse. Hein euh, Bruce qui veut sortir avec moi. Mais alors pas du tout. Pas la peine de revenir comme une fleur là. Hein. Bon, je donne un bain à Mareva, je la mets au lit, j'invite Sydney et on passe à l'attaque. <laughs> ok, il va arriver, je pense que je vais la changer de tenue. Je vais me mettre comme ça, pas trop dans l'excès, sais. Par contre, elle est super fatiguée. Non, on va pas dormir. Ok, premier baiser, c'est parti. Non, non. Elle allait dormir, elle se fout de moi, elle se fout de moi. Ok, le premier bisou, il est là. Bon, en même temps, il s'est mis en soutif et tout, donc bon. Oh non, elle s'évanouit. Se bécoter, on, peut, on pouvait se bécoter avec lui en plus. Non, arrête. Arrête, let's go, let's go. Oui, ça y est. J'ai cru qu'on n'allait pas y arriver, les gars <laughs> Bon bah tu peux rentrer, mec, c'est bon <laughs> Pouf, C'était compliqué, hein Je rappelle que j'ai un mode pour que les adolescents euh, tombent, euh, tombent enceintes. Hein. Ah mais attendez, avec le mode, je crois pas que je puisse faire des tests de grossesse chez les ados. Puisque j'ai dû mettre un autre mode que celui de Pandasama, parce qu'avec la mise à jour, bah il ne fonctionnait plus personnellement chez moi. Donc je ne peux pas faire de test de grossesse. Ah Je vais être obligée de vérifier avec le MC Common Center, les gars, non Ok, bon, je vérifie et je vous dis. Bon, je viens de vérifier, elle est bel et bien enceinte, je ne vous dis pas. De combien de bébés, etc. Mais faudrait que euh, je retrouve le bon, enfin la bonne version du mode de Pandasama, vous savez, grossesse réaliste, parce que c'était vraiment beaucoup mieux. C'est les aléas du, du, du sans bébé on va dire. Hein. Donc écoutez, voilà pour ce premier épisode avec Livana et Mareva, hein, son premier bébé. Je vous rappelle qu'elle attend le deuxième ou les euh, deux troisièmes. Enfin vous verrez. J'ai trop trop hâte de continuer. Je trouve que ça commence plutôt pas mal. J'aime trop l'histoire en plus de ça. J'espère que vous aussi. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si C'est celle cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao